aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnier. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. J'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence ? Je sais pas si je suis prêt. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'Habitat 7 non plus, et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard. Toujours garder un micropropulseur sous la main. L'arche au Nexus doit être sécurisée. Quelle est la priorité ? Commencez par l'alimentation et les données. Et passez ensuite aux transmissions secondaires. Compris. Je ferai le point avec leur technicien. Infirmerie, indiquez votre statut. Nous avons encore 20 000 colons en plein sommeil, et il va nous falloir un endroit pour les accueillir à leur réveil. Dès que nous obtiendrons l'aval du Nexus, nous suivrons le protocole de réveil post-stat. Nous voulons éviter tout retard. Il est donc vital que vos équipes coopèrent pour faire avancer la population sans encombre. Ça va faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment ? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. On devrait voir ce que l'IV peut nous dire. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina. Intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil ? Désolé, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes.
Quelle est la procédure d'immigration ? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein ? Où ça ? Y a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine, ce qui fait de vous un valeureux explorateur. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est le Nexus ? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Où vivent les colons ? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5 ? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'Habitat 7 ? C'est là qu'on a atterri ? Elle retarde complètement. On est en quelle année ? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde ? C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à... erreur inconnue. On est bien avancé. Les plantes sont toujours en vie. C'est comme s'il s'était arrêté en cours de construction. Cet endroit devrait grouiller de gens.
je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'Archipérion. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu ? Une arche, vous dites ? Ouais, on vient d'arriver. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Mais on vous croyait tous morts ! Quoi ? Ou prisonniers ? Ou perdus dans l'abîme ? Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Taran Kandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Scott Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Aleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Mais vous ne nous attendiez pas. Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqué ? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. On devrait prendre le tram, Ryder. Beaucoup de gens voudront vous rencontrer. Allons-y, tout le monde nous attend. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur ? On a fait profil bas jusqu'à maintenant. On n'est pas en état de résister à une attaque. On a eu un premier contact avec des aliens sur l'Habitat 7. Mais ça s'est très mal passé. Ils ont essayé de nous tuer. Ça n'avait rien d'un premier contact. On connaît déjà ces aliens. Ils vont nous poser un vrai problème. De mieux en mieux, cette journée. On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche ? Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qui vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien.
C'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Vu votre situation, je crois que toute aide est la bienvenue. De l'aide qualifiée, oui. Eh bien, quelle hospitalité. Nak Morkesh, gardienne de la station, j'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnier semble prêt à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a une heure, tout ça c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez mon vote. Et quand les réserves seront à sec ? Vous devriez aller voir Monsieur Tan, pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Contrôle du Nexus. Non, ce n'est pas ce que nous voulions. Mais nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis content d'être là. Spender, vous avez un... Bon, que s'est-il passé ? Hein ? On dit comment ? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue. À force de m'occuper de tout. Pour l'instant... J'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort, j'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Je veux pas entrer dans les détails. Les choses ont mal tourné, et dorénavant c'est à moi que vous aurez affaire. Alec Ryder n'aurait jamais accepté un tel ultimatum. Pourquoi devrais-je m'y soumettre ? Nous ne serions jamais partis ici, nous. Dans la Voie Lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier... Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas.
Vous étiez amis? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre, mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Quelle est votre place à la tête du Nexus? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale, dans une capitale provinciale. Seule une nouvelle galaxie pouvait m'y faire renoncer. Et voilà où cela m'a mené. Au chômage. Un plan a dû bien être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire? J'ignore d'où c'est parti, mais nous les appelons les Kert. Kandros pourra vous en dire plus. Trop, peut-être. Vous lui faites pas confiance? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment? Je ne sais pas, nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment? Je ne sais pas, nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas. Vous étiez amis? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre. Mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Un plan a dû bien être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire? Allez voir Kandros si ce n'est pas déjà fait. C'est lui qui dirige notre armée, malheureusement. Dès qu'il s'en rendra compte, ce sera fini pour nous. Vous lui faites pas confiance? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an? Vous avez fait combien d'essais? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis... Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin du pionnier et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder? Pionnier. Ryder? Nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle.
La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. Cauchemar. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement... Cette console permet de consulter les missions de groupes d'assaut en cours dans la milice pionnier. Veuillez vous adresser à Terran Kondros pour participer aux missions. C'est la console de nos groupes d'assaut. Vos groupes d'assaut? Ce sont des équipes d'intervention et d'extraction. Et en cas de besoin, j'ai l'Apex, des combattants experts qui se sont engagés à nous défendre. Puisque vous avez une vue directe sur tout le secteur, je peux vous donner l'autorisation de les dépêcher. Je prendrai soin de vos hommes, Kondros. C'est gentil, Ryder, mais l'Apex se gère très bien toute seule, croyez-moi. Autorisation validée. Bonne chance à vous. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Je connais ce regard. Les autres vous ont cassé les pieds, c'est ça? Quelque chose comme ça. Vous vous y habituerez. Concentrez-vous sur votre travail de pionnier. On ne peut pas contester de bons résultats, même s'ils vont essayer. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice, la sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche Turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Natonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir, même si c'est juste pour aller. Qu'est-ce qui vous amène dans Andromède? J'en avais assez d'être le bon petit gars. Le bon petit gars? Dans la famille Kondros, on est militaire par tradition. Ils avaient des attentes, vous connaissez la chanson. Et puis ma sœur s'est mise à la sculpture et la cousine d'Irene est devenue pirate sur Omega. Tout le monde était fier que je reste dans le rang. Mais moi, je me demandais quand j'allais enfin avoir mon aventure. Le rêve de Jen Garson était tellement grandiose et audacieux, irrésistible. Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de la milice? J'escortais une équipe de prospection sur une lune, et ces cartes nous sont tombées dessus. Ils nous ont parqués comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle quelque chose. La milice est partie de là. C'est drôle, quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. Comment s'en sortent les autres Turiens? Pas terrible. On n'est pas très doués pour se tourner les pouces en temps de crise. On nous martèle le service avant tout, pendant nos classes. C'est sûrement pour ça qu'on est si nombreux dans la milice. On aime mériter notre citoyenneté, peu importe la galaxie où on se trouve. Mais c'est dur de se concentrer sans nouvelles de notre Arche. Qu'est-ce que vous savez sur les ennemis qu'on a rencontrés, les Kert? On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliens. Les Kert n'aiment pas qu'on les étudie. Je sais pas trop pourquoi. Ils ne nous adressent pas la parole. À chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement, où ils font des prisonniers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Personne ne le sait, mais j'ai vu leurs armes, et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'il reste le plus loin possible du Nexus. C'est rude sur le terrain. Je pourrais avoir besoin de renforts, si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assaut spécialisés en attaque et en extraction. S'il vous faut une bonne puissance de feu, la paix sera là pour vous aider. Mais je vous apprends rien, pas vrai? Au revoir, Kondros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionniers. C'est une erreur, une terrible erreur. C'est injuste, tellement injuste.
Qu'est-ce qui va pas? Oh, ça alors, vous êtes... C'était donc vrai, un pionnier nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Vous pourrez peut-être m'aider, comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari, il est en prison et il va être exilé, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné pour quoi, au juste? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais... Il y a des témoins et des preuves, mais seulement indirectes. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails, si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Je vous aiderai volontiers. Oh, merci. Je suis sûre que le gardien vous laissera lui rendre visite. Dites à Nilken que je l'aime, s'il vous plaît. Le débarquement de l'Hyperion est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Je croyais que j'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis. J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord. Mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Un bon pionnier se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème, et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Montrez-moi le chemin vers mon vaisseau, et je vous laisse tranquille. Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah ! Ça ne va pas. Ryder, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si, ça va. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Ryder, mes condoléances pour votre père. Je vous remercie. Je ne le connaissais que très peu, mais je sais qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'initiative. Je suis sûr que les arches qui ne sont toujours pas arrivées l'inquiéteraient.
savez où elles sont passées ? Je n'ai rien de concret, mais avec des dizaines de milliers de colons manquant à l'appel, l'initiative ne se présente pas sous son meilleur jour. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? On dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes, non ? Officiellement, je dirais que nous nous en sommes bien sortis. Mais de vous à moi, c'est un vrai désastre. Le fléau nous a fait subir de lourdes pertes, dont la plupart de nos dirigeants. Même la fondatrice de l'initiative, Jean Garson, est décédée. Comment est-ce que Jean Garson est morte ? Avec le reste des dirigeants. Quand le Nexus a heurté le fléau, un grand nombre de modules de stase ont été détruits. Ils ont été tués sur le coup. Ces gens ont voyagé pendant 600 ans et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'œil. Jean Garson n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus. Elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps. Kandros a parlé d'un impact avec le fléau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Certains malfrats ont profité de l'urgence pour faire régner la terreur parmi les civils. Une révolte s'en est ensuivie. Nous avons été contraints de laisser les Krogan se charger d'eux. Ils ont écrasé la mutinerie et les malfrats ont été expulsés. Je pense que ces exilés referont parler d'eux. Leur chef est une hors-la-loi appelée Sloane Kelly. Elle était l'une des nôtres, avant tout cela. Qui est cette Sloane Kelly ? Elle était responsable de la sécurité du Nexus. Au départ, elle s'est opposée à la révolte, mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres. Une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens. Absurde. Ils représentaient une menace directe pour notre existence. J'ai pas vu beaucoup de Krogan à bord. Tant mieux. Les Krogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont tout dans les bras, rien dans la tête. Le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux. Comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Pourquoi vous n'aimez pas les Krogan ? Comme chacun le sait, leur espèce est violente et ignorante. Autrefois, ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète. Mon peuple a voulu les éduquer, mais les Krogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts. Un tempérament pareil dans Andromède, cela sonnerait notre fin à tous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative ? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. La première fois que nous nous aventurons hors de la Voie lactée. Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Qu'est-ce que vous savez sur les débuts de l'initiative ? Il est de notoriété publique que l'initiative a vu le jour grâce à Jean Garson. C'était une entrepreneuse sur Terre, riche, jeune pour une humaine. Garson a eu l'idée de l'initiative au début des années 2170, il me semble. Bien des gens estimaient qu'il était impossible de quitter la Voie lactée. Mais elle a persévéré. Et comme souvent, quand il est question de grandes idées, les sceptiques avaient tort. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir, selon vous ? Chaque colon avait ses propres raisons de venir. Je pourrais vous trouver des milliers d'explications. Mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur. Ce petit quelque chose qui leur échappe, qui les comblera. Nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves, mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher. Le Nexus est plutôt cosmopolite. Le Nexus abrite plusieurs espèces de l'initiative. De nombreuses personnes ont fait le déplacement avant les Arches. Nous espérons faire un jour de cette station le siège de notre gouvernement dans Andromède. Même si je ne suis pas certain de comprendre pourquoi des Krogan sont aussi là. Étant galarien, je ne les ai jamais portés dans mon cœur. Et pour l'instant, rien ne m'a encouragé à changer d'avis. Si vous êtes le directeur de l'initiative, ça veut dire que vous êtes le responsable ici ? Si on me laissait faire mon travail. Les autres ne me considèrent pas comme le successeur légitime. Alors comment est-ce que les choses arrivent à fonctionner ? En théorie, Kesh s'occupe des opérations physiques du Nexus, Kandros gère la milice et Addison les affaires coloniales. Je supervise le tout. En pratique, nous débattons, ce qui consiste à hurler les uns sur les autres jusqu'à parvenir à une décision. Les bonjours.
C'est exaspérant. Pourquoi est-ce que vous leur posez problème ? Parce que je ne suis pas J.M. Carson. Notre fondatrice était charismatique, excentrique, un vrai personnage. Je n'ai pas autant de personnalité. Le fléau a eu raison d'elle et de son entourage. D'autres dirigeants ont été tués par les exilés et certains ne sont jamais sortis de stase. J'étais assistant adjoint à la gestion des finances et mes 7 supérieurs hiérarchiques sont morts. J'étais le suivant dans la liste. Alors, vous êtes comptable ? Ne vous y trompez pas. Nous avons tous un potentiel que nous n'imaginons même pas. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'exploration spatiale. En avançant dans la vie, j'ai suivi une autre voie. Quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'y ai vu une deuxième chance d'emprunter ce chemin. Je n'explore peut-être pas de nouveaux mondes, mais c'est grâce à moi que vous en avez la possibilité. C'est vrai. Pardon. Vous avez d'autres informations concernant les Arches qui ont disparu ? Non, et c'est bien ce qui me préoccupe. Les Arches Asari, Turienne et Galarienne se sont complètement volatilisées. Si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau, je crains le pire. Creusez toutes les pistes que vous trouverez. Sans les autres Arches, la mission de l'initiative est vouée à l'échec. Est-ce qu'on attend encore d'autres Arches ? Les Cariens devaient faire partie de la première vague. Mais avant leur départ en 2185, ils ont rencontré des problèmes techniques avec leur vaisseau. Apparemment, ils devaient aussi embarquer les Drell, les Anari et d'autres espèces encore. Tous ces besoins biologiques différents leur ont compliqué la tâche. Nous ne les verrons pas arriver avant quelque temps. De quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable ? À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. Éliminer toute menace, qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnier. Et n'oubliez pas les stations avancées. Elles vous seront utiles. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées ? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Mais étant donné que la colonisation a échoué jusqu'ici, tout cela n'est que théorique pour l'instant. Vous allez essuyer les plâtres, Ryder. Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. C'est en nous entraidant que nous assurerons l'avenir de tous. Bonne chance. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Oui, je sais que l'amarrage inopiné de l'Hyperion a fait sauter des fusibles. C'est pas grave. Vous voilà. J'espère que les autres ne vous malmènent pas trop. On a beaucoup de travail devant nous. Au moins, on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'Hyperion. Quand on a quitté la Voie lactée, le problème du génophage n'était toujours pas réglé. Ah oui, le génophage. Un petit cadeau que les Galariens nous ont fait il y a quelques millénaires. Ce virus qu'ils nous ont inoculé nous empêche d'avoir des enfants. Seulement 1 sur 1000 survit à la naissance. C'est pareil pour les Krogan d'Andromède ?
Il n'existe aucun remède. Mais mon clan a commencé à développer une mutation. Une résistance naturelle au virus. Les Krogan ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici. Donc vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer. Oui, c'est encore tôt, mais je pense qu'on tient quelque chose. D'après nos scientifiques, on atteint une viabilité de presque 4%, ce qui est déjà bien mieux qu'au départ. Et ça veut avant tout dire plus d'enfants Krogan en vie. Ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie. Ça m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les Galariens. Certaines blessures restent vivaces, même si mes ancêtres l'avaient bien cherché. Ils ont voulu conquérir la galaxie et les Galariens ont dû réagir. Et on ne devrait pas les considérer comme seuls responsables non plus. Les Galariens ont créé le virus, mais ce sont les Turiens qui l'ont répandu. J'espère qu'on pourra faire table rase. On a tous des choses à se reprocher, mais Andromède représente un nouveau départ. Les miens ont besoin de ça. J'ai remarqué que ça manquait de Krogan à bord. Tan, demandez-lui pourquoi la majorité de mon peuple est partie. Il aura son avis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutinerie. Mon clan devait calmer les choses, et en échange, avoir voix au chapitre de l'initiative. L'accord n'a pas été tenu ? Le clan a tenu parole, mais Tan a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord. C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi. Et je comprends que mon peuple ait claqué la porte. On s'est assez servi de nous comme ça. Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté ? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Quel genre de problème vous avez constaté sur le Nexus ? C'est un vrai merdier, disons-le comme ça. Des arches ont disparu, des abrutis ont essayé de se mutiner et de prendre le pouvoir, puis d'autres abrutis ont insulté mon clan, qui est parti. Et pour couronner le tout, Jean Garson, la fondatrice de l'initiative, a été tuée. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean Garson ? Elle a été tuée pendant l'incident du fléau, avec un bon nombre d'autres dirigeants. Tan en sait sûrement plus. Moi qui pensais que ça s'était mal passé sur l'Hyperion en arrivant. Autre chose ? On ne peut pas établir d'avant-poste parce qu'on manque de ressources et de main-d'œuvre, ce qui rend Addison plus tendu que jamais. Et je ne parle même pas des dégâts que la station a subis en arrivant. Mais d'après certains, ce n'est qu'un détail. Mon équipe répare ce qu'elle peut, mais si on ne trouve pas du matériel rapidement, ça va dégénérer. Et vite. Quel est votre rôle en tant que surintendante ? J'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station. Je m'assure qu'elle reste fonctionnelle. Enfin, autant que possible dans ces circonstances. Ça sera tout. À plus. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Hyperion. Mais la planète était toxique. Ils emmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kero. Vous devez être le pionnier. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. Merci, monsieur. Professeur Eric, mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez pour percer les mystères d'Andromède. Vous étudiez quel domaine ? Eric, c'est la biologie. Moi, la géologie et l'océanographie. L'eau et les cailloux, en gros. Et Aridana est notre experte des maths et de l'espace. On n'a pas eu grand-chose à étudier, malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie, dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Et peut-être qu'Addison nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur...
jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Pionnier, ce sera plus tard pour la bière. C'est le bordel ici. La sécurité laisse à désirer, on va dire. Ça m'étonne pas. Il y a presque personne à bord. Il n'y a pas que ça. La plupart des exilés faisaient partie des forces de sécurité. Ils étaient entraînés et armés pour affronter l'inconnu. On sait que les Kertz sont dangereux, mais maintenant, on doit aussi se méfier des nôtres. On ne sait pas où ils sont partis, mais ils nous en veulent. Apparemment, il n'y a aucune planète habitable dans les environs. L'exil n'était peut-être qu'une peine de mort déguisée. C'est vraiment la merde. Pionnier, on doit régler tout ça ou on s'en sortira pas. On n'a pas du tout la pression. Tant que le Nexus est là, et nous avec, on a une mission à accomplir. En situation de crise, c'est quitte ou double. Ça va le faire. On va le faire. Prêt à passer à l'action, pionnier. J'ai remarqué un échange. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte. La sécurité est en alerte élevée. C'est pourquoi ? Pionnier Ryder, je viens voir Nilken Rensu. Ah, le meurtrier ! Sa femme est tout le temps là. J'imagine qu'elle vous a fait sortir les mouchoirs. T'as pris du galon, Nilken. Il y a un pionnier qui veut te causer. Un pionnier, carrément. Ils emploient les grands moyens pour exiler le premier assassin d'Andromède. Je ne viens pas vous exiler. J'ai dit à votre femme que je mènerai mon enquête. C'est trop tard maintenant. On m'a jugé coupable. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ? Je participais à cette tentative futile d'installer une colonie sur Eos. On s'est retrouvés dos au mur, encerclés par l'ennemi. Notre chef mort. Le chef de la sécurité, Reynolds, mon ami. Il a refusé de demander l'évacuation. On s'est disputé, tout le monde l'a vu. Et quand il a été tué, les gens vous ont tout de suite accusé ? Mais pour une bonne raison. Il nous a ordonné de nous regrouper et de contre-attaquer. On était en pleine tempête de sable. J'ai vu du mouvement. J'ai cru que c'était les Kert et... J'ai paniqué et j'ai tiré. Un témoin a vu la poitrine de Reynolds éclater. Ça m'a tout l'air d'un accident. C'est ce que je leur ai dit. Mais j'étais fou de rage quand on s'est disputé. Ça a été enregistré. J'en suis pas fier. Tout le monde est persuadé que je l'ai tué de sang-froid pour qu'on puisse évacuer. Je n'ai que ma parole pour me défendre. Je vais examiner les preuves. Peut-être que quelque chose ne colle pas. Ce serait bien qu'une personne ouverte d'esprit se penche sur le sujet. Vous êtes un pionnier. Je suis sûr que Kandros vous laissera regarder. J'ai peut-être encore une chance. Pas de nouvelles de l'Arche Turienne pour le moment, à moins que vous veniez à propos de la milice. J'ai parlé à Nilken Rensu, l'homme reconnu coupable du meurtre sur Eos. Oui, notre premier meurtre dans Andromède, si seulement c'était aussi le dernier. Quand les tentatives de colonisation ont échoué, ça n'a pas fait de bien au moral qu'un gradé se fasse tuer par l'un des nôtres. La mutinerie sur le Nexus était sûrement inévitable, mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc il y a eu un procès, il a été déclaré coupable. Ça a été court et ferme. Malgré le manque de preuves concrètes, l'ensemble tient debout. Tout ce qu'il avait à dire pour sa défense, c'est « Croyez-moi, je l'ai pas fait exprès !» C'est précisément la différence entre un meurtre et un homicide involontaire. Dans ce cas précis, un mobile, plus une occasion, plus un témoin oculaire, ça donne un meurtre. Écoutez,
Vous n'avez qu'à vous faire votre propre idée. Un témoin clé, Cassidy Shaw, travaille au service des opérations. Allez lui parler. Et on a un enregistrement du coupable en train de menacer la victime. Vous pourrez le consulter sur la console là-bas. En ce qui me concerne, c'est une affaire classée. Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionniers. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage... Le Nexus contre Colon Nilken. Preuve 7A. Hiram ! Hiram ! Ils ont capturé le camp ! Fais-nous évacuer ! On n'abandonne pas Nilken. On va le reprendre. Non ! Je te laisserai pas nous conduire à la mort par orgueil, même si je dois... Ah, non, éloignez-le, éloignez-le de moi. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Hyperion. Hey, vous allez bien ? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion ? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. J'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé, que j'étais juste un peu parano. Qu'est-ce qui vous rend parano ? On a eu 3 dysfonctionnements la semaine dernière. Bah génial, en effet. Ouais, bon, c'est très grave même. Ouais. Oh. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Vous en avez parlé à la sécurité ? Pardon ? De ce que je sais, c'est un membre de la sécurité qui est derrière tout ça. J'ai examiné toutes les zones à risque qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui ! Vous, vous êtes forcément hors du coup ? Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que... vous pourriez m'aider, si vous avez le temps ? S'il s'en prenait au système essentiel ? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. J'ai indiqué leur emplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. Non, ça va. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça a explosé, comme ça. Découvrez pourquoi, mais faites attention. Très bien. Ensuite, les amarres ? Fonctionnel et enclenché. Intégrité du module d'amarrage ? 100%. Cassidy Shaw ? Je suis Scott Ryder. J'enquête sur l'affaire Nilken. Mince, je croyais que c'était réglé. Vous avez écouté l'enregistrement de leur dispute ? Oui. J'ai aidé à séparer Nilken du chef Reynolds. On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer. Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef. Il a regardé droit vers Nilken en lui criant... Non. Et puis son torse a volé en éclats. Le choc qu'on pouvait lire dans son regard, je ne l'oublierai jamais. Vous avez vu des cartes dans les environs ? C'est ce que Nilken prétend, mais je n'ai rien vu du tout. Cela dit, la tempête de sable était violente et on n'avait pas une très bonne visibilité. Est-ce que Nilken avait l'air de regretter son geste ? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation. Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé. À peine capable de parler, comme s'il était malade. C'était peut-être la culpabilité. La portée de son acte avait fini par le frapper. Pourquoi Reynolds s'était surpris si Nilken avait menacé de le tuer quand il s'était battu ? Des amis peuvent se disputer, se dire des choses qu'ils ne pensent pas, même se faire du mal. Mais on ne s'attend jamais à se faire tirer dessus par son meilleur ami. C'est ce qui m'attriste le plus. Le cœur du chef était brisé avant même d'exploser. Reynolds voulait que vous repreniez le camp. Vous étiez d'accord avec sa décision ? Je n'avais pas exprimé mon opinion à ce sujet. Reynolds était mon supérieur. En y repensant, s'il n'avait pas été tué, on serait sûrement tous morts à l'heure qu'il est. Si ça, c'est pas ironique. Merci beaucoup pour ces renseignements. C'est bien normal. Ça me fait mal au cœur qu'on ait dû l'abandonner là-bas. Il méritait des funérailles dignes de ce nom. Il n'y a jamais eu d'autopsie, alors. C'est important dans une enquête pour meurtre.
Tan n'a pas autorisé de mission pour récupérer le corps. Il a dit que c'était trop dangereux. Puis-je faire quelque chose pour vous? J'enquête sur l'accusation de meurtre de Nilken Rensu. Et? J'aimerais aller sur Eos pour récupérer la dépouille du chef Reynolds. Ce n'est généralement pas du ressort d'un pionnier. C'est notre première affaire de meurtre dans Andromède. Et j'ai pensé que vous aimeriez qu'elle soit traitée correctement par un parti neutre. L'établissement d'un avant-poste est prioritaire, mais je n'ai pas d'objection particulière. Des preuves matérielles étayeront le dossier. Plus on aura d'éléments, mieux ce sera. Très bien. Mais je compte sur votre discrétion. Je ne veux pas que les gens pensent que nous avons rouvert le dossier. J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons avec. Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime. Bonne chance. Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. À votre service. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte.